What are you doing? You're eating applesauce. Tu es en train de manger la compote de pommes. So you like applesauce? I like chocolate. Chocolate. On revient à la cuisine GM Core avec Aya. Say hello. Hello. Hello, look at them over there. Hello. Hello. Do you want to show them your dress? Yeah. Regardez la nouvelle robe que je lui ai achetée. Regardez ça. Regardez ça. Ah. Allez, on descend. You want me to touch it? Ah, hey, hey. Sexy. Donc, vous vous rappelez la recette? Hey, stop it. Vous vous rappelez la recette de cookies que j'avais faite la dernière fois, que vous avez adoré. Et aujourd'hui, je veux faire une autre, juste pour vous donner d'autres options. Parce qu'elle est très, très simple. Mais je vais utiliser d'autres ingrédients. OK? Bien sûr, 200 grammes de flocons d'avoine. OK? Directement là. Wait for it. Wait for it. Après, on va mettre 30 grammes de sucre brun. 30 grammes. Ça, c'est pour Madame Lézard. Parce que la dernière fois, elle m'avait dit comme quoi que c'était pas trop sucré pour elle. Donc, on lui donne encore plus de sucre. 150 grammes de compote de pommes. OK. I want to put in the chocolate. OK. Et aussi, les 4 cuillères de soupe de beurre d'amande. Et cette fois-ci, on va utiliser du chocolat, de lait, ok? Parce que elle, la dernière fois, elle n'avait pas aimé le chocolat noir. Donc, je veux lui faire plaisir aujourd'hui et lui donner... Hey, hey, I'm talking! Je vais lui faire plaisir aujourd'hui, lui donner du chocolat au lait. On va prendre le chocolat, on en rajoute, pardon, la compote. Let me put something. Okay. Et bien sûr, le beurre d'amande. Le beurre d'amande. Et bien sûr, maintenant, on commence à mixer. Donc, on va mixer. Oh, can I mix it with my hands? Yeah, non, non, parce que la dernière, non, la dernière fois, tu t'es pas rapidement, comme vous avez fait la dernière fois. My turn. Hey, 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 hey. Donc, juste pour essayer, je suis en train d'essayer des recettes d'être créatif. Et je vais faire une troisième. Super idée, une autre recette, la même chose. Avec, je ne vais pas vous dire. Vous laissez des commentaires, vous partagez cette vidéo, je vais vous dire. Parce que la prochaine, elle va être différente. Et elle va être super bonne. Donc, maintenant. Non, then you're gonna dirty your hands. And then you're gonna go, no, I'm making hands and this and that. No. Hi, I'm back in the hood. Hi, no. Hi. Hi. Ok. Please. On a la mixture. Maintenant, vous allez prendre la mixture et vous allez commencer à faire des boules de cookies comme vous êtes en train de voir. Maintenant, si ça commence à coller, bien sûr, regardez ce que je suis en train de faire en ce moment. J'utilise de l'eau. Comme ça, la mixture, elle ne va pas coller aux mains. Et regardez, maintenant, j'ai le plat. You can show them. Des cookies, bien sûr, bien organisés. Et j'ai mis le four, comme la dernière fois, 170 degrés. Et je vais les mettre à cuire pendant 10 à 12 minutes. OK? Je reviens dans pas longtemps. OK, voici le résultat final. You want to taste this? These are better. Tu vas pas commencer à te plaindre parce que celles-là, elles sont meilleures que la dernière fois. OK, here we go. Maintenant, il y a du chocolat. Oh! Ouais. She's so cute. Nice. Try them again? Yeah. Okay. Yeah. Go. Nice? Mm-hmm. Voilà. Essayez-les. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Celle-là, j'étais obligé de les laisser dans le four pendant 15 minutes. Après, je les ai faites sortir. La prochaine recette, ça va encore être une autre recette de cookies. Différente, j'ai eu ces idées aujourd'hui lorsque j'étais couché à 4h du matin en train de regarder Manchester United en train de jouer contre Leeds. J'ai eu l'idée de les faire pour vous. Abonnez-vous,
Laissez un commentaire, un petit j'aime serait super gentil de votre part et continuera à vous faire des recettes comme ça. Nilgul? Nilgul. 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 Nilgul.